Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce temps, bienvenue dans ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Bienvenue dans ce temps, bien-aimé, ce temps où les adorateurs, les véritables adorateurs, viennent dans sa présence offrir des parfums d'adoration, des parfums de louange, des parfums de célébration, des parfums d'appréciation. Ah, bien-aimé, ce matin encore, ah, Kanebo Shakabaya, viens, viens dans sa présence. Le Seigneur t'appelle, viens au rendez-vous divin, le rendez-vous des véritables adorateurs. Ah, Yandebo, viens, viens, viens dans sa présence. Lève-toi, dispose-toi, va dans sa présence, viens dans sa présence, parce qu'il est là, il est là, nous voulons nous offrir en sacrifice vivant, nous voulons ce matin nous abandonner, nous voulons ce matin nous soumettre à lui, parce que nous reconnaissons qu'il s'appelle Jésus le Christ. Le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a délivrés. Ayane Boche de Baba. C'est pour cela ce matin, nous voulons le couronner. Nous voulons le couronner roi. Nous voulons dire que c'est toi qui es le roi. Ah, tu occupes la place du roi dans sur le trône de nos cœurs. C'est toi, Seigneur, qui dirige nos vies. Ah, c'est toi le maître. C'est pour cela ce matin nous sommes là. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce? Yandébauche, parce que ton Dieu là, il est présent ici par le Saint-Esprit. Il est présent ici. Yandébauche, merci tendre Père. Merci pour ta présence en ces lieux par le Saint-Esprit. Toi qui nous as précédés, Seigneur. Ayandébauche, merci Jésus le Christ pour ta présence en ces lieux par le Saint-Esprit. Nous honorons ta présence, Esprit de Dieu souverain. Nous honorons ta présence. Merci Seigneur pour ce temps. Viens conduire toutes choses. Viens Seigneur, disposer toutes choses. Parce que ce moment, Seigneur, nous voulons que ça soit pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons couronner Jésus le Christ, lui dire ce qu'il est. Ayandébauché, le maître de nos vies. Au pauvre Chadabalabalachaya. Et débauchaya. Assez pour cela, nous disons Jésus, 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 Jésus. Nous te prions. Et Kanabosha, Kanabosha, Akoboko de Bosha, et Kanabosha, Jésus, 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 Kanabosha, oui, Kanabosha, de la Bosha, de la Bosha, et Kanabosha. Est-ce que tu peux encore le dire, Jésus, Jésus? Ce matin, nous venons te couronner, roi, roi de nos vies. Nous te couronnons, roi, et tout ce qui nous concerne ce matin. Parce que nous savons que nos sources sont en toi. Et des rochers, l'amour de nos vies, le rocher de notre salut. Le berger de nos âmes, le bouclier de notre foi, c'est toi. Okoboshanabababosh, qui est comme toi. Ah, admirable conseiller, Obrakabaya, Yedeboko de Boshé de Babala, Ayan de Boshé de. Ah, nous sommes reconnaissants, Jésus, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. L'œuvre de Christ achevée à la croix du Golgotha. Oh, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Oh, c'est pour cela aujourd'hui, nous voulons te couronner. Nous voulons te dire, oh, c'est toi, le roi de rois, le Seigneur, le maître de maîtres. Aïe, est-ce que tu es en train de couronner ton Jésus?
Est-ce que tu es en train de couronner ton roi, le maître de ta vie, Yedeboshaya? Viens t'humilier devant lui, viens t'humilier, viens t'abandonner, viens l'adorer ce matin, Jésus, Jésus, à l'amour de nos vies. Nous nous humilions comme Oshana. Que nos cœurs se prosternent devant toi. Que nos vies se prosternent devant toi. Que nos cœurs se prosternent. À ce matin, nous voulons nous prosterner. Ah, nous voulons te mettre à part. Nous voulons te sanctifier. Au prochain de Jésus, Jésus. Est-ce que tu es en train de sanctifier ton Jésus? Est-ce que tu es en train de sanctifier ton Dieu? L'amour de nos vies, l'amour de ta vie, c'est lui qui t'a sauvé. Est-ce que tu es en train de le mettre à part? Au-dessus de tout, de toutes les circonstances de nos vies, nous te couronnons. Aïna de Roshana, viens sur le trône de nos cœurs. Il n'y a que toi qui règne, il n'y a que toi qui domine, il n'y a que toi qui dirige sur le trône de nos cœurs. Il n'y a que toi, Seigneur, qui dirige. C'est pour cela ce matin, un adorateur, une adoratrice est en train de te couronner, est en train de s'humilier, est en train de se prosterner. Le cœur se prosterne, les cœurs se prosternent ce matin. Aïe, débauche, nous honorons ta présence par le Saint-Esprit. Yakada Boshaya, Oko Boshada Vansha, Ayande Boshaya, Ayande Boshaya. Nous honorons ta présence. Nous célébrons ta présence. Merci Seigneur pour ce que. Merci parce que tu nous visites. Merci parce que tu es là. Merci parce que ce n'est pas un acquis. Oh, présent. Ah, c'est pour cela. Oko Boshaya, nous sommes reconnaissants. Parce que je sais, nous savons que ce n'est pas un acquis. Nous savons que ce n'est pas un acquis. Parce que tu es là, là où on t'honore, là où tu es honoré, tu es là. Par le Saint-Esprit, nous voulons honorer, nous t'honorons, Esprit des dieux souverains. Aïe, des Boshaya, Jésus le Christ est présent par le Saint-Esprit. Nous te levons par vos chants. Oui, nous t'adorons. Kada Bosh, est-ce que tu es en train de t'adorer? Est-ce que tu es en train de l'adorer? Viens t'établir. Oh, viens là, Bosh, Shana Baba, Bosh, Shana Baba. Par nos lois, Yaka Bosh, Shini. Viens Jésus, la place du roi, à débaucher. Nous t'adorons, au Koboshana. Est-ce que tu es en train d'adorer ton Dieu? Est-ce que tu es en train de t'humilier? Viens établir ton trône, et débaucher, Kadaboshana, par nos lois, au Koboshana, par la Koboshana. Viens Jésus. Est-ce que tu peux encore le dire? Est-ce que tu peux encore dire? Nous t'adorons. Ça veut dire, s'abandonner. Ça veut dire, s'abandonner devant. Oh, viens. Viens établir ton trône. Ici en Massif, par les eaux. Viens établir ta gloire. Parce que nous voulons, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Ah, viens établir ton quartier général, Seigneur, le quartier général. La débauche, la débauche. Élève la voix, ta débauche. Invite-le. Il est ici par le Saint-Esprit. Ah, viens, oh viens, aïe, un débauché.
Par le Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous voulons t'honorer. Ah, Saint-Esprit, nous t'envoyons, nous t'invitons en ces lieux. Esprit de Dieu souverain, Esprit qui nous assiste, Esprit qui nous soutient, Esprit qui est là au milieu de nous, ah, qui nous change, qui nous transforme. Esprit de Dieu souverain, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons. Viens, viens, ton soit honoré. Sois honoré, viens libre de te mouvoir. Oh, sois libre de te mouvoir. Ah, oh oui, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de justice. Esprit de justice. Aïe, 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 oh oui, Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train d'implorer? Est-ce que tu es en train d'implorer? La présence du Saint-Esprit, elle est de la voix, implore, implore-le, implore-le, implore à la bouche des babas, viens des bouches, à la bouche, viens des bouches, à la bouche, viens des bouches, à la bouche, nous t'implorons. Nous implorons la présence du Saint-Esprit, le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Nous implorons ta présence, nous implorons ta présence. Viens au Bosha, la Baba Babosha, viens au Baka, la Baba Babosha, viens de vos côtés, vos chèques, viens de Baba Babosha, Saint-Esprit des dieux. Viens Seigneur au Bosha, viens ta Baba Babosha. Viens établir ton quartier général, AICC Massy-Palaiseau. Viens établir ton quartier général dans les cœurs des membres d'ICC Massy-Palaiseau. Viens établir ton quartier général parmi les stars, dans les stars, dans les cœurs des stars. Viens établir ton quartier général. Oh, 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 viens établir, oh, 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 établis ton trône, établis ton trône. Viens de Bosha, viens établir le quartier général, ton quartier général. Ah, Seigneur, en ces lieux, oh, Bosha, Ah, Esprit de Dieu, viens. Ah, oh, viens, oh, viens. Ah, Esprit de Dieu, ah, Yahvé Bosha. Oh, oui, nous t'appelons. Viens, Seigneur, viens. Viens impacter nos vies. Viens impacter nos vies. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et ta domination. Viens poser ta domination, viens poser ton règne, viens poser Seigneur dans les cœurs, viens poser Seigneur dans nos vies, viens poser ta domination dans cette ville, Massy, Palaiseau et dans les villes environnantes. Au Kobo, Shadababababo, viens poser, impose ta suprématie, impose ta domination, parce que nous voulons voir ton règne, nous voulons voir Yendebo, Shadababababo, Yekadabra. Oh, oh, Saint-Esprit, ah, nous t'appelons. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit des dieux, Esprit de justice, nous prions à toi. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera, invitera le nom du Seigneur. Quiconque implorera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré, sera restauré, sera relevé. Quiconque, il a dit quiconque,
Ça veut dire que quiconque, que tu sois un croyant ou croyant, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Nous invoquons le Seigneur, l'Esprit de Dieu souverain, Esprit de Jésus, Akadéroshaya. Nous t'invoquons, toi le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre, toi qui bâtis ton église, toi qui le commandant en chef, toi qui choisis les dirigeants de ton église, toi qui choisis, comme tu as dit, mettez-moi par Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai préparée pour eux. Parce que c'est toi qui diriges l'église, toi qui diriges cette église ici à Massy, toi qui diriges, toi qui choisis les programmes, toi qui choisis les programmes. Yendaboshana, il s'agit de toi, il s'agit de ton œuvre, il ne s'agit pas de nous, c'est toi qui as mis en place ce programme, l'offrande du matin. Ça veut dire, tu fais toutes choses pour un but et au Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que tu fais des choses. Si tu as mis quelque chose en place, c'est parce que tu veux délivrer des vies, tu veux sauver des personnes, tu veux rendre libres les opprimés, tu veux délivrer les captifs, tu veux redonner la vue, recouvrer la vue aux aveugles, le recouvrement de la vue aux aveugles. Tu veux le faire, tu veux guérir les cœurs brisés. Ah, tu veux annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça que tu veux. C'est pour cela que tu as mis en place ce programme. Tu ne fais rien pour rien. Tu fais toutes les choses pour un but. Saint-Esprit de Dieu, à toi qui es l'instigateur, celui qui a inspiré ce programme. Nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons t'honorer ce matin. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Ne laisse pas la situation de ma soeur. Ne laisse pas la situation de mon frère. Ne laisse pas comme c'est. Viens Seigneur, viens délivrer. Nous crions à toi Saint-Esprit. Quiconque, nous invoquons le Seigneur l'Esprit. Nous invoquons le Seigneur l'Esprit. Sois honoré en Seigneur Saint-Esprit. Sois honoré à nous ton nom. À nous t'honorer. Oh oui, Saint-Esprit, viens. Oh viens. Esprit de justice, nous crions à toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré, sera secouru, sera restauré. Regarde la situation de ma soeur. Regarde. Ah, il y a le corps affligé par la maladie. Regarde. Oh, l'infirmité qui gangrène. Ne laisse pas la situation de ma soeur comme ça, non. Viens rentrer. Viens donner la vie à ce qui est déclaré mort. Tout ce qui est déclaré mort. Mort inerte, les gènes, les muscles, les articulations, tout ce qui a été déclaré mort, revienne à la vie. Parce que tu es l'esprit de vie. Esprit de vie, viens donner la vie à ce qui est déclaré mort. Regarde la situation, regarde le mariage de ma soeur et mon frère, regarde le couple, regarde ce foyer qui est en train de se détruire. Regarde, c'est toi qui donnes la vie à ce qui est déclaré mort. Quel que soit ce qu'ils ont dit dans le monde de ténèbres, quels que soient les hôtels, les oppositions, ils se sont ligués contre la vie des chrétiens. Ils se sont ligués contre nous, mais ils n'auront pas la victoire parce que nous implorons le Seigneur, l'Esprit, l'Esprit de liberté. L'esprit de domination,
les cadabracaba. Viens poser ta domination, viens poser ta suprématie dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans cette église. Viens poser ton bracadabracal débauche dans la vie de chaque star, dans la vie de chaque membre de cette église. Toi qui connais la situation de chacun, toi qui connais au cabachaya. Mon frère, ma soeur, est dans un désert. Le désert de privation d'eau, le désert de pas assez. Non, de juste assez. Non, bracadabochana. Viens Seigneur pour Brakaya. Viens Seigneur au cabochet des babas. Viens Seigneur pour Brokobocha. Brisez les chaînes, détruire le joug. Viens ôter le fardeau. Viens Seigneur le faire. Viens tout faire dans la vie de ma soeur, de mon frère. Et des broches à maman, élève la voix, et cadavroche, élève la voix, pour brocher les baba bouche, et cadavra, oh baba baba, oh baba baba, oh baba baba, oh baba baba, baba baba, baba baba, baba baba, baba baba, baba baba, baba et bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans psaume 2, psaume 2e. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Dévoile de moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre flamme, dans votre foi. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ah, bien-aimé, pourquoi ce tumulte? Le monde est en train d'aller mal. Il y a tellement de choses. L'ennemi est en train de faire un carnage. La guerre, la Covid, maintenant la guerre, la crise. Ah, t'as des broches. Pourquoi ce tumulte? Les enfants de Dieu sont attaqués dans leur corps, dans leur chair. Les enfants de Dieu, pourquoi ce tumulte? Il est débauché. Ils se sont ligués contre son roi. Bien-aimé, l'effet que tu es enfant de Dieu, tu es roi du Seigneur. Et quand ils se liguent contre notre Seigneur, ça veut dire qu'ils se liguent contre tout. Les rois du Seigneur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien-aimé. Tu dois prendre conscience, nous avons choisi notre camp. Nous sommes dans le camp du Seigneur. Nous sommes dans le camp du Seigneur. Un jour, apôtre Ivan nous a dit, les terroristes, quand ils n'arrivent pas à s'attaquer au président de la République, ils font des attentats contre les fonctionnaires de l'État, les gardiens de l'État, les personnes qui travaillent pour l'État. Parce que comme ils n'ont pas d'accès au président, parce qu'il est bien protégé, et alors ils vont attaquer
là où ils peuvent attaquer. Alors tu dois ne pas conscience. C'est le même fonctionnement. L'ennemi essaye de faire un carnage, d'attaquer tous les humains. Tant que tu as le Saint-Esprit à l'intérieur, bien-aimé, tu dois faire attention. Le Seigneur me dit, fais attention. Ne pense pas que tu n'es pas dans les radars du monde des ténèbres, mais tu es invisible. Reste dans la position de justice. Ça veut dire positionné en Christ, afin de demeurer invisible, afin de ne pas être touché. Ne prends pas un chemin qui te rend vulnérable. Ne rentre pas dans une situation qui est embarrassante, parce que c'est un terrain de l'ennemi. L'ennemi ne cherche qu'à faire une bouchée de toi, un carnage, parce qu'il veut attaquer loin de l'éternel. Et donc il attaque tout le loin. Bien-aimé, faisons attention. Faisons attention. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leur chair. Celui qui siège dans les scieries, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Hakabashan. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Nous avons dit, cherche à monter à la montagne. Cherche à demeurer à la montagne. Parce que là, tu es loin. Là, tu es solide. Là, tu as l'onction. Là, tu as la force. Là, tu as la domination. Tu domines. Tu domines à la montagne. Ne descends pas en bas. Reste. C'est moi qui ai loin, mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte. Ah, bien-aimé. Ce combat-là sur la terre, nous sommes plus que vainqueurs. Ah, tu dois prendre conscience. En Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, ne reste pas en bas. Monte à la montagne sainte. Parce que c'est lui qui t'a oint et t'a oint pour dominer, pour imposer la domination du Seigneur sur cette terre. Alors, quel que soit le lien de la mort, quel que soit le torrent de la destruction, quel que soit tout ce qu'ils ont essayé de faire, ah, Boboshaya, oh, ils ne pourront pas t'atteindre. Ils ne pourront pas t'atteindre parce que tu es intouchable, tu es inatteignable, tu es irrattrapable. Oh, Boboshaya, est-ce que tu peux en dire encore, viens, viens, Aya de Boboshaya. Ah, viens, oh viens, ah, Esprit de Dieu, aïe, les bouches, viens briser les chaînes, viens détruire le joug, viens, parce que, oh, Bobo Chaya, l'ennemi essaye de pouvoir faire un carnage, oh, Bobo Chaya, l'ennemi, il vient pour voler, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Ah, il ne touchera pas, il ne touchera pas le membre de cette famille spirituelle, parce que nous avons décidé de pouvoir monter à la montagne, de monter à la montagne, au gauche, à la montagne sainte, là où nous sommes équipés, là où nous recevons l'équipement, là où nous recevons l'investiture divine, là où nous sommes loin. Là où, au Koboshaya, nous avons le mandat de la domination afin de pouvoir terrasser les débits, terrasser l'ennemi, terrasser, détruire leurs hôtels, renverser leurs marmites, renverser leurs calebasses. Au Koboshaya, bababay, au Kabaya de Boshaya, au Koboshede, au Koboshaya. Yende boshaya, kamba baba baba boshede, oko boshada, yanga baba baba boshede, yekanda boshede, oko baba baba boshede. Je perçois dans mon esprit, je perçois dans mon esprit, alors que nous sommes en train de prier, d'invoquer les noms du Seigneur, je perçois, Bobo, je sais pas ce que je vois, j'ai vu un feu, j'ai vu des choses qui sont en train de brûler, j'ai vu des choses qui sont en train de brûler, Atabashaya, Oko Bobo, ils sont en train d'être consumés, Yadabashaya, leurs hôtels se consument maintenant, Bobo Shedebaya,
les canabas, les canabas se sont renversés. Au bobo chédé, les mamies se sont renversées. C'est consumé, c'est en train de brûler. Au bobo, les pièges qu'ils ont mis, ils ont fait combat contre toi. Ils ont fait des choses contre toi. Ils sont en train de consumer tout ce qu'ils ont mis en place. C'est en train de brûler. Comme Élie a fait descendre le feu, a consumé les holotels de Baal, a été consumé. Au boboché de Baba, ils étaient détruits, complètement détruits. Au boboché de Baba, parce que nous invoquons le Seigneur. Nous invoquons le Seigneur. Bien aimé, tu ne seras pas lié, tu ne resteras pas lié, parce qu'il est venu pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Et Kandabosha, quel que soit ce qui parle contre toi, aujourd'hui, Kabashandababa, Yedeboshaya, monte à la montagne sainte. Il a dit, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est moi qui ai oué mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Kandababa, je publie un décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cette parole, Dieu l'a prononcé pour Jésus le Christ. Alors il a prononcé pour chacun d'entre nous. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On débauchaya. Monte à la montagne. Parce que le Seigneur t'a envoyé. Et débauchaya. Tu reçois l'équipement. Tu es en feu. En feu. Nous sommes en feu. Feu. À feu, nous sommes en feu, feu, feu. Ah, nous sommes en feu, bien de Boshaï. Ah, nous sommes en feu, bien de Boshaï. Oh oui, nous sommes en feu. Yekanda Boshaï, Yekanda Boshaï, Yekanda Boshaï, Yekanda Boshaï, Yekanda Boshaï, Yekanda le feu divin. Yekanda Boshaï, le feu divin. Ah, y'a le feu divin. Viens consumer, viens consumer, viens consumer, au Popocha, les œuvres de ténèbres. Viens consumer les œuvres de ténèbres. Au Popochaya, viens consumer, Popochaya, tout ce qui essaye de freiner cette église. Tout ce qui essaye de freiner cette église. Tout ce qui essaye, pour quiconque qui essaye de freiner cette église, pour que cette église ne prospère pas, pour que mon frère ne prospère pas, pour que ma soeur ne prospère pas. Au Popochaya, consumé, consumé par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Et nous allumons le feu. Parce que nous offrons à Dieu un sacrifice d'amour, un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration, un sacrifice d'appréciation en ces lieux, dans cet hôtel. Agrée, il agrée ce moment. Il descend son feu et débauche un feu. Feu. Oh oui, feu, feu, feu. Et débauche. Ésaïe 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements.
ses jugements. Quand le mal, quand l'iniquité se serait accrue, alors c'est la fin. Ah Seigneur, ne laisse pas ce mal prospérer. Cette condition de ma soeur, de mon frère, a beaucoup trop duré. Cette église ne restera pas à ce niveau. Ne laisse pas, c'est la saison du matin. Ah, viens exercer ton jugement, tes jugements. Viens exercer, Seigneur, tes jugements par le feu. Viens, Seigneur, consume. Consume tout ce qui n'est pas de toi. Consume tout ce qui empêche au pauvre la prospérité de mon frère et de ma soeur. Tout ce qui empêche la prospérité de cette église. Impact des centres chrétiens, massipanezo. Viens exercer tout ce qui empêche la prospérité de cette église. Tout ce qui empêche mon frère, ma soeur, de s'épanouir spirituellement, d'être libéré totalement au Kobocha, afin de servir le Seigneur. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce que le Père n'a pas planté soit réduit à néant dans le nom de Jésus. Consume les débauches. Les œuvres de ténèbres. Yadabrakabara. Les Kobocha Kebaya. Kekabrakabaya. Ubabashaka. Okobokobocha. Que les chaînes soient brisées. Que les joues soient détruites. Que le fardeau soit ôté. Parce que Yadabrakabara. Les gars délivrent. Oh Baba. Délivre, oh Baba Shanda, Yakadavosh, ramène dans ton église, ramène les âmes, toutes les âmes, les brebis perdues, les brebis égarées, les brebis que l'ennemi a dispersées, Akabaya, ramène-les, tout ce qui les tient, tout ce qui empêche que ces âmes viennent te servir, oh Kobocha, Ekadabakabaya, Ekadababosh, exerce tes jugements. Par le feu, Yadabashanababa, ramène dans ton église, Okobocha, ramène les âmes, Yadabashanda, toi qui tiens les âmes, nous te brisons la nuque, Yadabashan, tu es poursuivi, tu es réduit en néant, tu es détruit, au cabage terrassé. Kobochanda, tu es de la cendre, Yanaboche, la cendre, Kobochanda, Yanaboche, tu es consumé, tu es détruit, Katabrakabaya, Yanaboche, Yababa, Kobochanda, Baba, Yanabashanda, Baba, Il a dit dans sa parole, si vous servez le Seigneur, Exode 23, verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu,
ta babaloche. Si je monte un peu plus, verset 22. Si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Exode 23, verset 22. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite. Mais tu les détruiras. Et tu briseras leur statue. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Bien-aimé, le Seigneur envoie la terreur. Ils vont voir le visage du lion de la tribu de Juda. Il y a une débauche. Dorénavant, ils verront ce visage. Dans ce territoire, ils verront le visage du lion de la tribu de Juda. Ils verront la fureur, la Akabashana. Yedebo Shanababa. Ayadebo. Assez, c'est assez. Il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Ça veut dire, toi tu es là. Nous sommes ici. Tous ceux qui essayent de faire contre cette œuvre pour que l'œuvre ne prospère pas. Dans ce pays, Kobacha, ils voient la terreur. La terreur. La terreur nous précède. La terreur nous précède. La terreur de Dieu nous précède. Kandabacha, Nababababouche. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Bien-aimés, prenons conscience de ces paroles. Continuons à servir le Seigneur, notre Dieu, avec un cœur sincère, en étant doulos, en étant esclaves de Christ. Parce que cette parole s'applique pour les esclaves. Ça s'applique pas pour n'importe qui, c'est pour les doulos. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de te servir avec un cœur sincère. Parce que nous voulons voir ton œuvre prospérer ici. Nous voulons voir les vies transformées. Nous voulons voir les âmes revenir à toi en masse. Nous voulons voir les malades guéris, les infirmes guéris, les cœurs brisés guéris. Nous voulons voir les âmes délivrées, les captifs délivrés, les opprimés rendus libres. Nous voulons voir dans cette église. Et les brachas de la gauche. Quand ta gloire descend, quand ta gloire, faut bocher des bas, il y a des bochers des babas, au faux bochant d'ababa,
et des bouches, des bababouches, et quand la bouche, et des bababouches, et quand la bouche, élevez la voix, élevez la voix, élevez la voix, pour bababouche, et quand la bababababouche, et quand des bouches, des bababouches, et quand la bouche, et quand la bouche, et des bababouches, et des bababouches, élevez la voix, quand la bababouche, et des bababouches, quand des bouches, et des bababouches, et quand la bababouche, et des bababababouches, et des La gloire de Dieu atterrit, la gloire de Dieu atterrit, atterrit en ses, la gloire de Dieu t'embauche, et quand abracababababoche, au boboche de bab, et quand abracababoche, au boboche de bab, au boboche de bab, au bobababoche, au bobababoche de bababo, au boboche de bababo, au boboche de bababo, et quand abracababaya de bocha, au boboche de bababa, et quand abracababa de bocha de bab, et quand abracababa, au bobababoche de bababa, au boboche de bababa, et quand abracababa, et quand abracha de bababa, au boboche de bababa, et quand abracha de bababa. Esaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et les filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires, des madians et des femmes. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, ils publieront les louanges de l'Éternel. Ah, bien-aimé, c'est ce que je suis en train de percevoir dans mon esprit. C'est ce que je suis en train de percevoir dans mon esprit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, toi membre de cette église
un pacte centre chrétien massif à les eaux. Lève-toi, 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 sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, apparaît. Des nations marchent à ta lumière, ils viendront chercher des solutions chez nous. Ils viendront. Nous rentrerons dans toutes les sphères d'influence. Bien-aimés, prenons conscience. Et je vois l'accomplissement de cette prophétie qui a été donnée. La vie de recherche. Aller rechercher tous les brebis perdus. Et je vois dans cette parole, c'est marqué, tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Je vois les âmes revenir dans la maison du Seigneur. Les âmes dispersées sont en train de revenir. Je perçois dans mon esprit un mouvement, un shift est en train de se faire. Un shift, un mouvement est en train de se faire. Les âmes sont en train de revenir. C'est ce que je perçois dans mon esprit. Les âmes sont en train de revenir en masse. Ils ont été dispersés par la COVID. Et l'ennemi essaye encore de disperser par la crise, par des différentes sortes de crises. Amen. La parole a été déjà libérée. Kobo Shantabaya. Nous sommes mis au large. C'est la saison du baptême. Et dans cette saison favorable, je vois la lumière, notre lumière arrive. Et la gloire, sur nous la gloire de Dieu apparaît. Et je vois les âmes revenir, un mouvement d'âmes qui reviennent dans ta maison. Merci Seigneur. Merci. Apparaît, ah, ça veut dire sois visible. Ah oui, sois visible. Apparaît. Quand ta gloire arrive, ça veut dire tu es visible. Nous voyons la manifestation, les manifestations du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit. Nous voyons des miracles, des signes, des prodiges. Nous voyons Okoboshaya. Ekandabashanda. Ekandabababababosh. Apparaît dans cette église. Apparaît. Oh Jésus le Christ. Apparaît. Yendebosha. Apparaît. Okoboshanda. Oparayanabrakabaya. Ekandabokoboshebaba. Okobobo. Sois visible. Sois visible. Sois visible. Sois visible. Sois visible. Apparaît, apparaît, Yakada Baba Baba Boshaya, apparaît, apparaît, Yende Boshana Baba Baba, Yende Boshede Baba, apparaît, 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 apparaît. Est-ce que tu es en train de percevoir? Est-ce que tu es en train de percevoir? Yada bashanda bababa, etande boshende bababa, etande boshanda bababa, atababa bababa boshanda. Apparaît, apparaît. Sois visible, Christ. Que Christ soit visible. Que Christ soit entendu. Que Christ, oh, soit pleinement formé. Que Christ, Adabashada, apparaît. Oh, que Christ, sois palpable. Oh, Christ, sois visible. Oh, Christ, sois palpable. Dans cette église, apparaît, 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 apparaît. Parce que nous voulons influencer.
les autorités de cette ville, parce que nous voulons influencer Ayanda Prashagada, Okobo Shenebaya, afin que les autorités prennent des décisions selon ta droiture et selon ta sincérité. Okobo Shayanda Prashagada, Edeba Shandaba, Anaba Shandaba, apparaît au plus, sois pleinement formé. Dans nos vies, au plus, sois pleinement formé. Aïe, dans nos vies, Seigneur, dans la vie de chaque star, dans la vie de chaque serviteur, travaillant activement dans cette église, pour le royaume. Apparaît, sois pleinement formé dans la vie de chaque membre. Viens, Seigneur, au bon gauche, amène-nous à la perfection, amène-nous à l'état d'homme fait, amène-nous à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, à Christ, sois pleinement formé, au bon gauche, à Baba, à plus, sois pleinement formé, Yana Braka, à Boschaya, au plus, sois visible en ce lieu, sois visible en ce lieu. Dans cette église, sois visible dans Brachandabal. Toute personne qui franchit sa porte, qui franchit cette porte, est touchée par toi, transformée par toi. Yedeboshai devient un véritable adorateur, une véritable adoratrice. Yadabashaya commence à te poursuivre, à ne plus poursuivre les bénédictions, mais à poursuivre le Dieu de bénédiction. Là, tu viens au Boshai, afin que la métamorphose soit totale dans la vie de chaque membre de cette église. La métamorphose. Amababa, Yadabashaya, Bobo Boshai, sois visible dans cette église. Oh Christ, sois tangible, sois palpable, Seigneur. Nous voulons te toucher. Aide à toucher ma Bobo Boshai. Que tu sentes qu'on t'a touché. Comme tu as dit à cette femme, comme tu as dit qui m'a touché, une charge est sortie de toi, une force est libérée de toi, qu'une force soit libérée avec puissance dans cette église. Apparaît, ô Christ, Ayada Brakabara, sois près de ma femme. Ô Christ, sois visible, ô Christ, sois tangible. Il faut que les incroyants voient la splendeur de notre roi, la gloire et les brochailles. Il faut que les incroyants puissent prendre conscience que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Sois visible. Et dans toutes les églises, impact centre chrétien, nous te bénissons, Père. Élève la voix en grâce, et les beaux chats d'Abba Babosha. Élève la voix en grâce à Dieu pour ce temps. Le temps, ce temps qu'il a pourvu, ce temps où il nous a dirigés. Il a conduit toutes les choses. Ce n'est pas un acquis, mais se laisser conduire. Il est des beaux chats. Tu nous as fait grâce. Parce que ce n'est que par ta grâce. C'est par ta grâce que tu nous produis. C'est par ta grâce que tu nous libères des paroles. C'est par ta grâce. Ce n'est pas un acquis. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants, Père. Nous sommes reconnaissants. Merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Père. Ce que tu es en train de faire. Nous voulons simplement te bénir. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous recommandons, Seigneur, cette journée à ta grâce. Ramène-nous nombreux encore ici, ce soir, pour l'atmosphère de prière prophétique. Ramène-nous, Seigneur, parce que nous voulons voir ta gloire apparaître.
Nous voulons voir Christ visible. Ramenez-nous, Seigneur, partout où nous serons. Donnez-nous à ramener, à transporter cette gloire. Que nous soyons des véhicules qui transportent ta gloire partout. Que nous soyons, que nous ramenons la paix partout où nous sommes. Que nous ramenons la joie partout et la justice. Seigneur de Dieu, merci Père pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour tes preuves d'amour. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons alors que nous clôturons ce temps. Nous recommandons nos vies à ta grâce. Que ton sang parle pour chacun d'entre nous. Que nos vies, Seigneur, soient gardées par toi. Il n'y aura pas de représailles. Parce que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Et le sang de Jésus nous parle pour chacun d'entre nous. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec préférence, avec acclamation. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame. Nous te bénissons. Amen. 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 Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Alors, rendez-vous ce soir pour l'atmosphère de prière prophétique en présentiel à 19h30. Et pour l'offrande du matin, rendez-vous lundi matin, 5h du matin. Demeurez bénis et nous vous disons peace. Au revoir.